d'ici une heure. Bonjour, vous avez aimé votre vol? Magnifique. Vos impressions, madame, sur le vol? Eh bien, c'était parfait. Bonjour. Vos impressions sur le vol? Ah, super. Moi, c'est mon baptême de l'air, donc... Vous l'avez aimé? Oui, ça va, très bien. Une fée qu'atterrit avec un A350-900, le Peterbilt, le deuxième A350 qui arrive directement de Toulouse, donc passe par Paris. Et à bord de cet A350 là, ce qui est spécial, c'est qu'il prend 3,5 tonnes de medical relief qui parle en partie pour nous banquer XR dans Madagascar qui dans le besoin. C'est un joint action de Air Mauritius Foundation, Airbus Foundation et Aviation Sans Frontières. Donc c'est une initiative un peu spéciale qui montrait la solidarité de la communauté de l'aviation pour ben, besoin dans la région pour en ce qui concerne Medical Relief. Et cet avion-là, comment je le connais, c'est un dernier cri. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est que ben, dans Economy Class, on a un 6 qui est vraiment très, très bien, 18 pouces hein, de laser. Et on a aussi également ben, en business class, c'est un full flat. Avion superbement bien construit, très silencieux. Et ce qui est encore meilleur, quand on est dans cet avion-là, ce qui est ressenti, c'est une altitude pression de 6000 pieds et non pas plus. Et dans les autres avions qui sont faits en aluminium, les pistes sont liées à 8000 pieds, donc les moins bien pour l'organisme. Cet avion-là, il permet de l'organisme récupérer plus facile, c'est-à-dire quand vous voyagez, vous revenez, vous êtes en forme. Quand vous enjoy les vacances, et bien, vous revenez, vous revenez en vacances, vous enjoy les vacances plus vite. Voilà. Est-ce qu'Air Mauritius a d'autres acquisitions de même type d'avion dans les prochaines années? Oui, années. En fait, on a DA330neo qui est arrivé en fin 2018. Après, on a DA350 qui est arrivé en 2019 et encore DA350 qui arrive en fin 2023.